deuxième rencontre de cette deuxième journée entre Zulte Waregem et l'Union Saint-Gilloise. Deux équipes qui ont perdu la semaine dernière et je pense qu'ils ont envie, cette semaine-ci et aujourd'hui, de donner une meilleure prestation que la semaine dernière, Thijs. Ja, het is de tweede match van groep 2 ook. Straks krijgen we er nog eentje. Groep 2 in zijn tweede wedstrijd. Dat betekent dat ieder punt belangrijk begint te worden. En natuurlijk voor twee ploegen die al verloren zijn, eens te meer. En dan verwachten we vandaag toch een vrij open FIFA natuurlijk. Exactement, c'est un FIFA qui est vraiment très ouvert. Et en plus de cela, on a la chance d'avoir vraiment d'excellents joueurs parce que je ne l'ai pas assez dit, je pense, la semaine dernière, mais le joueur de l'Union est un très bon joueur et qui va faire face également aussi au joueur de Zulte Waregem, qui est un joueur qui était backup l'année dernière, le backup de Renzo, et qui est également un très bon joueur. Mais je voulais préciser sur Kinan. Kinan est un international marocain qui a figuré parmi les joueurs dont l'équipe qui a fait face à la Coupe du Monde. Et je pense que pour moi, en tout cas dans cette poule 2, c'est le favori. Ja, de favoriet, dat zijn grote woorden. Arsène Jordi heeft inderdaad goed gedaan vorig seizoen als B-speler. Omdat Renzo het op een bepaald moment moeilijker had om op te treden, heeft Jordi het altijd goed gedaan. Hij wordt nu geflankeerd door Nico. Dat is zijn coach. Dat is degene die van Gent is overgekomen opnieuw om het bij Zulte Waregem een beetje opnieuw in handen te nemen. En ik denk dat ze ook wel wat vertrouwen hebben in Jordi, ondanks dat eerste verlies op de eerste speeldag. Het wordt inderdaad een belangrijke partij, vooral voor Kinan, om zijn favoriete rol een keertje te gaan waarmaken nu. C'est ça, on voit ici, ils sont bien encadrés par d'anciens joueurs de notre e-pro league. D'un côté, on a Ardixa avec Kinan et de l'autre, on a Nycom avec Jordi. On dit que Nycom a deux rôles. Hein. Il est à la fois coach et il a fois aussi le backup de Jordi en cas où celui-là ne sera pas disponible. Donc, à voir un petit peu comment ça va se dérouler au fur et à mesure de cette saison. Ja, ik denk niet dat hij heel veel gaat spelen. Jordi is vaak genoeg beschikbaar om dit allemaal te doen. En hij is gewoon een goede speler. Het is interessant om te zien hoe ze spelen. Jordi kiest voor Gullit als tweede icon. Icon niet echt, het is een van die nieuwe iconkaarten, Team of the Year icons. Hij zet hem mee in het middenveld, want hij heeft een shadowkaart eraan gegeven, geen hunterkaart. Dat zien we wel vaker bij Gullit, ondanks dat het een goede aanvaller ook is. Bij Union krijgen we de twee voorin, de twee gedoodverfde namen. Icons, Pelé en Ronaldo. Het eerste initiatief ligt bij Zulte Waregem. Attention ici, Ronaldo qui s'élance, la frappe! Oh! Ça commence fort là maintenant, directement avec Ronaldo! 1-0 pour Zulte. Ja, zoveel ruimte mag je hem duidelijk niet meer geven. Je ziet Nico meteen zeggen, rustig nu, rustig, goed nadenken. Maar voor Kinan is dit wel geen geweldig begin. Ah oui, ça c'est comme on dit, il prend directement une douche froide, hein, notre ami Kinan. Avec cette première occasion de Ronaldo qui permet à Zulte Waregem de mener au score face à l'Union Saint-Gilloise. C'est dur de commencer comme ça, mais au moins ça donne du punch à la rencontre. Hein. Hij had nog geen bal geraakt, Kinan, denk ik. Ah non, lui ook niet. C'est vrai, il n'a pas touché de ballon. Il n'a pas encore touché de ballon. Et directement, notre ami Jordi lui a mis ça en pleine face, si on peut dire ça directement comme ça là. Alors Koulibaly qui change d'aile complètement ici là avec Traoré. Traoré avec De Bruyne. Touré, hij vindt goed de vrije man momenteel. C'est vrai, il est heel goed de vrije man opnieuw. Opletten, paasje binnendoor. Ja, net eruit gehaald door Leander den Donker. C'est une formation 4-3-2-1. Où on voit que, comme tu l'as dit, Thijs, Ruud Gullit être dans le milieu de terrain, mais du côté gauche. Hein. Ja. Meunier bij Union. Mogelijkheid tot de eerste kans. Pelé. De Bruyne. Snelle combinatie. Maar goed afgesloten momenteel. Hier wel opletten. Goed verdedigd van Koulibaly. Bien défendu, hein. C'est bien. On voit que Jordi est vraiment concentré lors de cette, sur cette rencontre. Un petit peu comme il avait commencé contre NB la semaine passée, face à Charleroi, où il avait également ouvert le score pour ensuite se faire revenir par le joueur Carolo. Hazard gevonden, De Bruyne. Misschien wel zelf kunnen gaan of zijn spits aanspelen met Hazard. Nieuw balbezit voor Union. Meunier. Pelé. Bruyne. Nou, snel balverlies. Ja, dat heb je met die Gullit wel op het middenveld. Die zit aan je enkels. Attention, Gullit ici. Cap de Villa, le centre sur Gullit. Il trouve bien que la passe qui malheureusement n'arrive pas à Ronaldo.
was een goed uitgevoerde aanval. Nou, we zien we vaker en vaker dat hoge balletje in de 16 om dan door te spelen. C'est, en fait, c'est surtout un nouveau glitch, on peut dire comme ça. On l'appelle la Bene, en référence à Bene CR7. Bene CR7 qui est un joueur professionnel allemand qui a révolutionné ce glitch-là, c'est-à-dire prendre un milieu, son latéral, le gauche ou le droit, faire un appel avec le milieu de terrain dans la surface de réparation pour ensuite faire un centre sur le milieu de terrain qui la remet en une touche sur un des attaquants. Goeie aanval hier. Cap de Via mag ver komen. Gullit paasje terug. Ah, goed verdedigd opnieuw van Kinnan. Gullit vraiment être vraiment très offensif. Gullit, malgré ses tâches défensives, il arrive à se projeter. Il est tout aussi dangereux offensivement. Ja, dat heb je in die 4-3-2-1 wel. Die vierde aanvaller die komt vanuit het middenveld vaak heel hoog. Zeker als die high work rate heeft. Dan gaat hij heel vaak opduiken. Aan het begin van FIFA 23 had je met Llorente van Atletico Madrid zo'n middenvelder. Die relatief goedkoop was en telkens opnieuw op de vrije ruimte terecht kwam. C'est exactement ça. Comme tu l'as dit, Thijs, les joueurs qui ont un work rate qui sont tous les deux élevés, c'est-à-dire à la fois dans les tâches défensives que dans les tâches offensives, permettent de se lancer comme ça. Oui, aanval Ronaldo voor de 2-0. Nee, duwt hem iets te ver vooruit. C'était bien essayé ça. C'était bien essayé, oui. En général, les joueurs aiment bien jouer avec un joueur dans le milieu de terrain qui a ce type de profil, comme tu l'as dit, comme Llorente la saison passée. Et cette saison-ci avec forcément Gullit. Gullit qui permet à chaque fois de pouvoir attaquer et bien défendre également. Diatta. Verlies het pleit van Cap de Via. Touré. Meunier. Het is niet dat het bijzonder slecht is van Kinnan. Ik denk dat Jordi vandaag gewoon toch de eerste 30 minuten heel goed staat te verdedigen. Ouais, non, c'est un bon joueur, notre ami Jordi. Qui est pour l'instant bien posé, qui n'a pas encore subi la moindre occasion face à Kinnan. Sauf si je parle trop là maintenant. Mais pour l'instant, il n'a pas encore subi d'occasion. Il défend bien et il a profité directement de sa première occasion pour la mettre au fond. Dit kan een kans zijn. Houdt zich even in en daar is de onvermijdelijke 1-1 van wie anders dan de man met het mooiste kapsel ooit in het voetbal, R9. Ah, qui d'autre que lui, qui d'autre que Ronaldo pour égaliser. Pour Kinnan, et je pense que ça lui fait du bien. En plus, là, je pensais qu'il aurait pu tirer avec Pelé. Dat dacht ik ook, dat hij zich te lang inhield. Maar dan vindt hij toch de vrije ruimte. C'est ça. Il avait besoin vraiment d'avoir cet espace libre pour pouvoir tirer. Mais c'est vrai que parfois, les joueurs se posent un petit peu trop de questions. Parfois, il faut juste tirer. Koulibaly et Capdevila ici. Touré. Ronaldo. Ouf, ruimte. Capdevila qui monte là, qui la donne à Ronaldo, il se retourne là, il flappe, oh, de nouveau Gullit la frappe, bel arrêt de Courtois, très bel arrêt de Courtois. Un cheeky elastico even er tussen gegooid door Jordi. Ouais. C'est ce qu'on aime avec les joueurs qui ont 5 étoiles gestes techniques, ça nous permet d'avoir des fulgurances comme on vient de voir là avec Ronaldo, ce qui est vraiment fantastique pour le spectacle. Capdevila, Perisic dus in het middenveld gepostvat. Bij Union. Ouais. Avec Pelé qui demande à la belle reprise de Gullit ici là. Qui a anticipé l'action mais qui perd le ballon ici au profit de Pelé et Meunier. Gaat hij dat deze week opnieuw voor hebben dat Jordi dat hij volledig inzakt na die eerste voorsprong. Ah oui, faut faire attention parce qu'il commence toujours bien les rencontres et il a du mal à les terminer. On espère pour lui que ça ne sera pas toujours le cas. Goeie combinatie, Ronaldo dans le 1-2. Ah ouais, oh oui, ça c'était sûr. Ah, ça c'était sûr. Ça, c'est dès qu'on a vu le speed boost de Ronaldo sur son contrôle, on a compris que normalement ça finirait au fond. En zo staat het al heel snel 1-2 aan de andere kant. En is de voorsprong van Jordi verdwenen als sneeuw voor de zon. Encore une fois, j'ai l'impression que les semaines passent et se répètent pour Jordi. Malheureusement pour lui, il se fait de nouveau revenir au score et mener juste avant la mi-temps, ça peut faire mal au moral, ça. Dat is heel pijnlijk zo net voor rust, inderdaad. Goeie moraal boost voor Kinnan, die het uiteindelijk toch wel weer in handen heeft genomen. Balbezit, dat blijft voor Jordi de controle ook. Maar Kinnan twee keer in de 16 gekomen van zijn tegenstander en twee keer gewonnen. Ah, oui, en die bal staalhard binnengeknald met R9.
On n'a pas besoin de plus, hein, Thijs. Hein. On n'a pas besoin de plus lorsqu'on a les occasions et qu'on arrive à les mettre tout au fond. Tant qu'elles terminent au fond, on met nos scores par rapport à l'adversaire, on est content. Donc du coup, on voit que les deux jeux se détachent un petit peu. Où Keenan, c'est un joueur qui est un peu plus un joueur de possession et de passe directe en une touche. Hein. Ja, en dit seizoen kom je er gewoon niet meer mee weg, die ruimte laten. Omdat je Pelé of Ronaldo of Gullit of noem maar op daar in de spits hebt staan. Je komt er niet meer mee weg met die kleine foutjes of die kleine momenten van onoplettendheid. Ja, je wordt meteen afgestraft, zeker door iemand als Keenan. Clairement. C'est vrai qu'avec les joueurs que l'on a cette saison-ci, des joueurs fantastiques qui ont marqué l'histoire du football, la moindre erreur se paye cash. On l'a vu tout à l'heure d'ailleurs avec Mans. Qui a failli en faire des frais, mais qui s'en sort plutôt bien à la fin. Den Donker, balletje rondspelen nu bij Union. Meunier. Ja, vindt de combinatie ook net iets gemakkelijker. Ja, de Villa. Die krijgt veel werk van Keenan. Goeie bal naar Origi. Perisic. Denkt hij aan trappen? Nee. Ah, goed. Oké. Okay. Buiten spel denk ik dat het was. Inderdaad, Traoré. Hij moet het terug in handen nemen, Jordi. Ja, hij doit essayer d'être un petit peu plus offensif, ça c'est certain. Parce que le temps passe, hein. Le temps passe, Het gaat heel snel. Ça va très vite, hein. Ça va très vite. Le temps passe et s'il continue de faire tourner comme ça, en tout cas pour l'Union, c'est tout bénéf. Het zijn maar 6 minuten per helft. Als je dat in squad battle speelt, dan voelt dat als een half uur. Oeh, avec le timing, hein. La tirée du gauche avec le timing et ça a failli tromper le gardien. Cap de Villa. Opletten hier. Hoge druk nu van Zultwaardigem. Ruimte wel in de rug dan daarmee. Touré. Ouais, on voit que voilà, il essaye un petit peu de maîtriser son milieu de terrain. Il est pas pressé. Il mène au score après tout, donc du coup c'est normal. C'est à l'adversaire d'aller chercher le ballon. Ja, il moet risico gaan nemen. Jordi. Exactement. Il doit prendre un petit peu plus. En dit is ervaring natuurlijk. Nee, Origi, ja. Ronaldo. Hij raakt er bijna door. Den Donker die défend bien ici. Hein? Dat is wel het gevaar aan zo'n Ronaldo. Spelers gaan net iets te vaak denken, het lukt misschien wel. Ouais, c'est ça, gewoon rechtdoor lopen. Zoals je met Mbappé Player of the Month hebt. C'est ça. Ça c'est le genre de joueur qui attire vraiment les contres favorables à Ronaldo. Donc du coup, il faut faire très attention lorsqu'il est dans les parages. Attention. Avec Yaya Touré, Perisic. Yaya Touré. De Bruyne. Ja, goede combinatie. En opnieuw goed verdedigd hoor. Il en suffit un peu avec les joueurs de ce calibre-là. On l'appelle pas ici la Ronaldo. Daar maakt hij de verkeerde keuze. Moet je hem eigenlijk langs de rechterkant van je speler laag over de grond meegeven? Je pense qu'il a un petit peu trop anticipé le fait qu'il allait passer devant le défenseur. Ils se font un petit peu plus pressants ici avec Yaya Touré. Avec Eden Hazard sur Ruud Gulli, tape sur la frappe, oh, le poteau, oh, le manque de chance. Le manque de chance, l'occasion billard. L'occasion billard, mais qui finit pas au fond mal. Goeie keeper movement wel van Keenan en Courtois. Maar die bal moet er altijd in. Ouais, malheureusement pour lui, ça ne finit pas au fond. Mais il obtient quand même le corner, je pense. Si j'ai bien vu que le ballon a d'abord touché le gardien, puis le poteau, et ensuite le gardien pour le remettre en corner. Donc je pense qu'il a encore une petite occasion ici, pourquoi pas sur corner, d'essayer de revenir au score. Hein. Origi die gaat erin komen bij Zultwaardigem. Oh, de rest blijft momenteel staan. Oui, le reste, ça reste le même. Il n'y a que l'entrée d'Origi là, qui entre. En ook Carrasco is er opgezet, ouais, bij Jordi. Pour l'instant, extra snelheid, extra frisse mannen. Et n'oublions pas que Origi a aussi les 5 étoiles gestes techniques. Donc du coup, ça va ramener un petit peu plus de folie pour notre ami Jordi Van Rijk again. En Keenan, ja, die zit er rustig bij. Ouais, ja, even opgeschrikt aan het begin van de wedstrijd, maar nu zie je hem daar met Ardixa relatief ontspannen. Nog een, wat is het, 25 FIFA-minuten. En zoals ik al zei, in squad battles duurt dat 7 dagen. Of dat voelt toch zo aan. Ouais. Hier gaat dat heel erg snel voorbij. La touche ici pour l'Union. Avec Origi. En nu opnieuw naar Cap de Villa. Een gekende combinatie. C'est bien ça.
Vrije man zoeken. Rustig blijven. Touré. Ja, Perisic. Ronaldo. Draaien keren. Nou, dat was een beetje te geforceerd. C'était bien essayé. Il avait tenté comment on appelle un Magedi cancel qui a tout simplement mis sur de bonnes positions et malheureusement la passe n'était pas assez bien calibrée. Perisic mag ver komen. Perisic. Ouh, la frappe malheureusement qui ne finit pas au fond. On voit que Kinan commence à avoir du rythme. Hein. Il commence à être beaucoup mieux dans le match en tout cas, surtout par rapport au premier match. Iets meer skills ook van Kinan. Ronaldo. Tweede paal richting de vrije man. Gaat de Via. Dat is simpel gedraaid. Balletje naar Origi. Dan heeft hij te veel tijd nodig. Origi du côté de Zult Waregem qui se relance ici. Avec Den Donkere, Traoré. Traoré qui n'a pas beaucoup de solutions. Hein. Il n'a pas beaucoup de solutions, donc il revient derrière. Change complètement de côté là, ici avec Capdevila. Capdevila qui fait monter un joueur qui a essayé de faire une béné. C'est Koulibaly. Geen ruimte om de bal af te spelen. Dit is wel een goede infiltratie van Ronaldo. En dan doet hij het te geforceerd. Ouais. Il essaie un petit peu de forcer sur cela. Hein. Il n'a malheureusement pas trop réfléchi sur cette occasion-là, notre ami Jordi. Et le temps passe, hein, Thijs. Petit à petit, on arrive à la 80e minute. Et il ne restera plus que 10 minutes à tenir pour notre ami Kinan. Opletten. Bal bezit nog altijd voor Union. Perisic. Capdevila. Een goede cross richting Meunier. On voit qu'il y a un pressing, hein. Il y a le pressing qui a été activé du côté de Zult. En hier gaan we het zien, wilde ik zeggen. De bal bijhouden lang genoeg. Hij slaagt er dan niet in. Oh, van opstelling veranderd. 4-2-3-1. Oui, oui. Zien we nu bij Kinan. Il a changé de formation, il est passé en 4-2-3-1. C'est l'une des formations qui permet de vraiment bien défendre parce que toute l'équipe est en bloc. Et je pense qu'il a demandé à absolument tous ses joueurs de revenir en défense pour tout simplement empêcher les attaques de Zult Waregem. En nu gaat hij wat tijd nemen om rustig richting die laatste 10 minuten te gaan. C'est là le rôle important d'un coach aussi, hein, Thijs. C'est là que un Ardixa ou bien un Naïcom, on voit ici, qui essaie de conseiller les joueurs pour prendre les meilleures idées, tout simplement les meilleures décisions. En ook gewoon te zeggen van wacht ah, gewoon oui, nog even. C'est ça, gewoon 10 seconden wachten. C'est ça. De laatste 10 minuten zijn ingegaan. Carrasco voor Zult Waregem. Là, il faut y aller. Si en tout cas il veut revenir au score, on rappelle qu'il a perdu attention. Il faut goal. Oh là là, le il to ball roll. C'était bien tenté. C'était bien tenté le il to ball roll. C'est un nouveau geste technique sur FIFA 2023 qui est très 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 efficace. Het was eigenlijk goed gedaan. Zei het niet dat je tegen Thibaut Courtois Team of the Year staat. Ah oui. Malheureusement pour lui, il est tombé sur le meilleur gardien actuel du jeu. Den Donker. Tijd voor één uitgespeelde aanval nog. Balletje vooral niet verliezen. Hopen op dat gelijke spel. Nog één kans nodig. Attention de. Oh, le hors-jeu. Hij had bij de initiële paas R9 moeten aanspelen. En dan kan je het wel verder uitspelen. Je pense que oui, en effet, Roland de lui n'était pas hors-jeu. Hein. Il n'était pas hors-jeu. Et ici, on sent vraiment le pressing du côté de Zult Waregem. Attention, peut-être ici. L'attaque de Perisic. Perisic va-t-il réussir à marquer? Aïe, 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 il a frappé un petit peu trop vite. Ja. Il était un petit peu trop pressé là. Hein. Iets te snel. Naar de goal getrapt. Pelé. Ronaldo. Aïe, en nu achteruit, uiteraard. Balletje bijhouden. Al het risico eruit halen. En pak hem maar eens af van Ronaldo Nazario. On voit le sourire hein, de Jordi. Le petit yeah. Sourire en coin malheureux. Eh oui, c'est le jeu, c'est le jeu. Et ça va se dit is ervaring. Ah oui, c'est ça. C'est clairement l'expérience, hein, c'est l'expérience qui prime. Et on voit Kinan qui est content de représenter l'Union Saint-Gilloise avec le petit bisou sur le fanion du maillot unioniste. Et on voit tout simplement une victoire à l'expérience là. De eerste 3 punten voor Kinan. Ja, Jordi heeft het eigenlijk zelf uit handen gegeven. Ouais. Bah, pour l'instant, malheureusement, Jordi, comme je l'ai dit la semaine passée, il joue bien, il commence bien, mais malheureusement, il se fait reprendre pour ensuite se faire mener au score et il n'arrive pas à revenir. Est-ce que c'est une question de mental pour Jordi? On ne le sait pas encore. Ervaring, denk ik, dat ook meespeelt. We hebben Kinan gezien die zich goed herpakt heeft en dan de wedstrijd simpelweg heeft uitgespeeld. En dat is belangrijk, dat je die laatste 10 minuten probeert te controleren, dat balletje bijhoudt en vooral het risico er compleet uithaalt. En dat heeft hij
hij gedaan. En dat is een verdiende driepunter in match 2, in groep 2 ook. En dan gaan we zien, Kortrijk-Westerlo was dus 2-1. Zulte-Waregem won, verloor liever met 1-2 van Union. En dan kijken we meteen naar de laatste wedstrijd van vandaag in groep 2. Dat wordt Sporting Charleroi tegen Oostende. On va s'attendre à une belle rencontre en tout cas entre les deux équipes ici là, entre le Sporting Charleroi et Ostende, deux équipes qui nous avaient donné un très beau spectacle la semaine dernière. C'était deux équipes qui avaient réussi à avoir une victoire chacune. On va voir un petit peu comment est-ce que ça va se dérouler en tout cas aujourd'hui parce que les deux joueurs sont des très bons joueurs et je pense qu'on n'a qu'une hâte, c'est de voir le match juste après ça.